Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos d'une astuce que Samu87 m'a donnée pour gagner des plasmas en illimité. Alors je tiens à lui faire une grosse dédicace pour son astuce et je mettrai sa chaîne en description, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à sa chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir et à lui aussi pareillement. Et si cette vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait et c'est parti pour la vidéo, let's go! Alors il faut que vous sachiez que depuis hier jusqu'à jeudi prochain, il y a le double plasma sur le zombie. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour justement que vous en profitez un maximum. Alors ce que vous allez faire, c'est tout simplement choisir la map Le Sang des Morts et vous allez aller en partie mutation. Ensuite vous allez modifier les règles et là vous allez modifier l'électricité, vous allez mettre avec les portes ouvertes, vous allez mettre les barricades ouvertes, vous allez mettre les améliorations sans parce qu'on en aura pas vraiment besoin. Ensuite dans armes vous touchez à rien, dans zombies vous allez mettre serré, la propagation, vitesse minimum, super sprint, multiplicateur moitié, multiplicateur de santé et de dégâts moitié. Alors ensuite vous allez désactiver les zombies lourds, les zombies mini boss et vous allez laisser uniquement les vermines. Ensuite vous allez mettre sans. Donc ne pas mettre les zombies améliorés et vous allez aller dans le joueur. Ensuite dans le joueur vous allez mettre plus 3 de barre de santé, vous allez mettre un délai de régénération courte, vous allez mettre de vitesse de régénération instantanée, élimination donne de la santé élevée. Ensuite dans les points vous allez vous mettre 50 000 points et vous allez vous mettre autant de torts et animations que vous le désirez. Ensuite vous validez ces paramètres, ensuite vous allez vous créer une classe. Dans cette classe il sera impératif de mettre l'âme éthérée en modificateur, donc en dernier atout. Et ensuite vous lancez la partie. Alors quand vous arrivez dans la map, ce que vous devez faire c'est d'acheter vos 4 atouts. Quand vous avez vos 4 atouts, vous vous dirigez vers le toit et là vous allez vous mettre juste ici. Donc vous allez vous mettre ici et là vous allez faire des cuts en illimité. Alors je peux vous assurer, donc là j'ai pas le gameplay, mais je peux vous assurer que vous allez pouvoir aller jusqu'à la manche illimitée. Alors vous êtes en partie personnalisée, donc vous ne gagnerez pas d'XP, mais vous allez quand même gagner vos plasmas. Donc si vous faites 100 heures de glitch comme ça, enfin c'est pas vraiment un glitch, c'est une astuce au final. Si vous faites 100 heures d'astuce comme ça, vous allez pouvoir débloquer jusqu'à 2000 plasmas Nebulium. Et comme on est à 2 en x2, vous allez débloquer 4000 plasma Nebulium en 100 heures. Donc franchement, c'est largement rentable. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de strike pack, vous allez devoir faire ce mouvement, donc appuyer sur R3, donc coup de cut, en illimité pendant jusqu'à temps que vous en êtes épuisé. Donc vous allez devoir le faire manuellement. Par contre, pour ceux qui ont un strike pack, vous avez juste à mettre un rapid fire sur le bouton R3, donc le bouton de cut. Après, vous pouvez même changer dans les paramètres. Hein. Vous pouvez mettre le bouton tactique. Donc si vous faites tactique, ce sera rond. Donc vous pouvez mettre un rapid fire sur rond, donc l'attaque au corps à corps, en illimité, avec le rapid fire. Donc vous avez juste à laisser votre manette branchée et le rapid fire branché. Et puis après, ça fera des manches en illimité et des plasmas en illimité. Et pour ceux qui ont un Chronus Max, vous avez juste à faire pareil. C'est juste à créer un petit script où vous appuyez sur rond en illimité. Et vous avez juste à laisser brancher le Chronus Max pour passer les manches en illimité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Merci à Samu87 de m'avoir partagé cette astuce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Soikoolo mec et ciao, peace.